Vous voici, misérable surfacien. Je vois clair dans votre jeu. Vous vouliez l'enclume, vous l'aurez. On vous brisera les os sur elle pour commémorer ma victoire et mon règne glorieux. Oh, misère. Il est trop tard. Manifestement, nous avons misé sur le mauvais numéro. Peut-être qu'on peut retourner notre veste une deuxième fois. Ça risque d'être un peu compliqué. Il faut que j'enlève ma robe pour la retourner. Oui. Enfin, non. Enfin, plus tard. Si on bute l'autre nain, on n'aura pas tout perdu. Ouais. Place au roi. Brrr.
Vous allez souffrir, Sulfacien. Tirez les rangs! Je vais vous renvoyer à la surface en pièces détachées. Je vais vous éclater la rate. Hector a salut. Rien de tel qu'une bonne bataille en sous-sol.
Salut. Ça défonce. Hop, esquivez. Je ne suis pas là. Tu vas voir ton pif, roi de mes fesses. Le coup est pour moi. Je vais leur montrer ce que valent les nains d'en haut. Hein?
pas mal. J'aime pas me battre sous terre. Salut, je suis le ranger de Loubet. Encore plus vilain que le nôtre. Rien de tel qu'un petit coup d'état.
Tiens! Se battre dans les mines des nains du chaos. Quand je vais raconter ça chez moi... Même pas mal. Pourquoi je ne suis pas resté en haut des escaliers? C'est moi. Tu l'as pas vu venir, celle-là.
Zodzog. Dalzabeto Navalou. Tu croyais quoi, qu'un nain s'est pas bougé? Merde! Tenez-le! Personne ne m'écoute. Comme toujours. Oh!
même pas mal. Même pas mal. À la net, Flada! Moi, je suis pas trop prêt. Watch. Je suis le roi de cette arme. Le roi. Me voilà! Ah!
Barbeto Navalou. Et d'ailleurs! Eto, ramo! La bière, c'est meilleur. Ah, ça fait mal.
Tenez-le. Même pas mal. J'adore que le plan se déroule sans accro. Niveau. Ton règne de folie, c'est sans fin, golem putride, bâtard d'orque syphilitique. Ton corps sera jeté en pâture au Trogilorc. Je suis le roi maintenant, le seul roi. Victoire. Depuis le début, on savait que ce serait vous le gagnant. Donc, il vient quand même de dire que sa grand-mère a eu des rapports avec un orque porteur de maladies vénériennes. C'est le moment de négocier. Tu crois que je fais quoi? Je vous suis reconnaissant. Vous avez honoré votre parole. Du coup, on peut parler de la vôtre? Rapport à ce qu'on avait demandé? Oui. La vraie voix des nains du chaos est préservée. Je vous laisse accéder au temple de la grosse enclume. Ah, super! Naturellement. Si quelque chose de terrible vous arrive, c'est votre problème. Le temple est parfois... imprévisible. cela ressemble un peu à un cadeau empoisonné. Toute médaille a son revers. Hélas. On n'a pas fait tout ce chemin pour reculer maintenant. Allons au temple!
C'est vachement plus utile que le rempaillage. Un vrai leader avec de vraies compétences. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. Il est inconvenant de fouiller la robe d'une dame, sauf si elle vous y invite. Très adapté à ma situation. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Je donne rien à personne.
Les tréfonds d'Uric sont un endroit légendaire. Nous sommes dans le temple de la Grosse Enclume. Ça alors, c'est un endroit légendaire. On dit que des trésors incommensurables y ont été accumulés par les pillages des nains du chaos. On dit aussi que les esprits torturés des rois des nains du chaos viennent ici à leur mort pour garder les lieux. Ça vit vieux, un roi des nains du chaos? Ben, on sait pas. C'est rare qu'il meure de vieillesse. Bien. Cherchons l'enclume avec prudence. On va tout piller, et puis on mettra le feu. Je ressens une légère lassitude. Je vois ce que tu veux dire. Bien, un truc qui venait de la surface. Misère! Sapristouche, c'est quoi encore ce monstre? Je suis le gardien des runes. Je veille sur ce sanctuaire sacré. Ah, la tuile! C'est un esprit ancien de nos ancêtres. Sans doute un ancien forgeron nain aux immenses pouvoirs. Pas du tout. J'étais juste un vulgaire affûteur de pioche qui atterrit ici à cause d'un palis stupide. C'est ballot. Oui, je sais, c'est... Je ne dois pas sympathiser avec les intrus. Vous êtes prévenus. N'allez pas plus loin ou les conséquences seront funestes. Arrière, un truc qui venait de la surface. Ça sent la pierre humide.
Ça devient compliqué, cette aventure. Surtout ne pas montrer que je suis à l'ouest. Je vous ai raconté l'histoire de la grande grève du syndicat des charcutiers en 503 du premier âge.